Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin explore le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça vous parle ? L'écosystème de la filière vitivinicole se pose encore des questions quant à s'embarquer dans cette démarche. Alors, je vous emmène à la rencontre d'acteurs du changement en lien avec la RSE. J'aborde en toute transparence avec les invités les origines du changement, les actions concrètes, l'innovation et les résultats mesurables de la démarche RSE qu'ils appliquent. Quelles motivations ont guidé la transition des entreprises vers des pratiques plus durables ? Philanthropiques, réglementaires, sur quels piliers repose leur politique RSE ? Des initiatives concrètes aux technologies innovantes, en passant par des résultats tangibles, découvrons ensemble les leviers de performance pour une viticulture plus responsable et durable. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, fondatrice du podcast « Si Dionysos était une femme » et de la société de conseil Bleu Charon. Sa raison d'être ? Simplifier la transformation vers un business plus propre, plus juste. Belle écoute !